Good morgen, Aleiden, et tu seras aujourd'hui l'Elohim Nishmat Avraham Mordechai, Ben Yitzhak, Befani David, Ben Fortuna, Mazal Fritna, et Dvorah, Batester, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Misha, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étions Maseret Ktuvot, Perek Yud Gimel, Mishnah Vava, Orer al Sade, Vehu Chatum Aleha Be'ed, Admon Omer, Yacholo Sheyomar, Ashenino Achli, Arishon Kashe Emenu, Vachachamim Omrim, Ibed et Zechuto. Asa Asiman Acher, Ibed et Zechuto. On est toujours dans les décrets de Shnedayin Exerot. Il y avait deux juges, je vous rappelle depuis le premier Mishnah du chapitre, deux juges qu'il y avait à Yerushalayim, Admon et Hanan. On a commencé avec deux décrets, que deux halachot, deux lois que Hanan avait instaurées. Et maintenant on est à les sept de Admon, qui a aussi instauré sept halachot. Du coup, certaines ont été retenues, certaines n'ont pas été retenues. En l'occurrence, là, notre halakha est retenue. D'abord, c'est quoi le cas? Aorer al-Asadeh, celui qui réclame sur un champ. Beuchatum al-Abed, mais il a signé qu'il est témoin sur une transaction. Sur ça, on a Admon Omer. Admon va nous dire, Yacholo Sheyomar, il peut prétendre que ça ne veut rien dire le fait que j'ai signé, parce qu'en réalité, Asheni Noachli, Varishon Kashemenu. Le deuxième, il est plus souple, il est plus facile pour moi, et le premier, il était bien plus dur. Et tandis que il a perdu son droit. De quoi on parle? C'est pas très compliqué. Bon, vous savez qu'à l'époque, on a déjà évoqué ça longuement dans Baba Vatra, Perek Shlishi, essentiellement, il y a très longtemps déjà, qu'il n'y avait pas de cadastre, il n'y avait pas de tabou. Ouais, pour les Israéliens, tabou, le cadastre pour le français. On enregistrait les champs acquis, les biens immobiliers à qui ils appartenaient. Il n'y avait pas de registre pareil. Initialement, comment il fallait se comporter, comment on pouvait trancher? On avait une règle. Lorsque je te vends un champ, ou une maison, ou peu importe, pendant 3 ans, tu fais très attention à garder l'acte de vente. D'accord? Tu fais très attention parce que si jamais je viens et je réclame, que je dis hey, tu m'as volé le champ, ça fait 1 an et demi que tu me menaces de mort ou truc, que j'ai peur d'ouvrir ma bouche. C'est pour ça que en réalité, le champ, il m'appartient. Rends-le-moi. Et vous prétendez, non, tu me l'as vendu. Alors, on va aller au Beit Din et je vais vous dire, bah, amène-moi le shtar. Amène-moi ton contrat que je te l'ai vendu, puisque c'est moi qui te l'ai vendu. Prouve que c'est à toi. Après 3 ans, alors, Rami m'ont dit, écoute, on ne peut pas rester garder éternellement des shtarot, les souris, elles ne vont pas venir les ronger. On ne peut pas garder combien on peut garder des terrains. J'ai des armoires à la maison où je stocke tous les documents. Et dès qu'il est passé un certain temps, ça, il n'y a plus d'intérêt, on les jette. Donc après 3 ans, on a fixé comme ça, pendant 3 ans, Shalosh Shanim, Chazaka, Chazkat Karka, ça prend 3 ans pour rester installé dans un terrain, un bien immobilier, pour prouver que c'est le vôtre. Après 3 ans, ça y est, c'est plus. Après 3 ans, on ne peut plus prétendre que c'est à vous. D'accord? Vous avez compris le principe? Maintenant, ça fait 1 an et demi. Maintenant, on va prendre qu'on est en Tavshin P'Alef. J'habitais dans une maison depuis maintenant 20 ans. Tavshin P'Bet, il y a Reuven qui s'est installé dans ma maison. Et moi, j'ai rien dit. Tavshin P'Gimel, Reuven vous vend la maison. Et maintenant, je viens et je dis, écoute, mon cher auditeur, cette maison, c'était la mienne en réalité. Réhouven, c'était un gros malabar, j'avais peur de lui qui me casse la figure. Il m'a menacé qu'il s'installe dans ma maison, tu peux m'écraser. Je m'écrase devant lui, j'ai plus le droit de parler. Je n'osais pas broncher parce que j'avais très peur de lui. Mais en réalité, cette maison-là, elle m'appartient à moi. Donc maintenant, s'il te plaît, je t'en prie, reprends ta valise, sors dehors et rends-moi ma maison. Et vous me dites, j'ai acheté le champ de Réhouven. Alors on va vous dire, ben, vous savez quoi? Il va chercher aussi que Réhouven il a acheté le terrain de moi. Et donc, vous allez voir Rouven. Et si Rouven, il vous sort l'acte de vente, que, effectivement, en Tavshin P'Alef, il avait vendu le terrain, vous avez gagné. Si vous ne prouvez pas, je reprends la maison. Ça reste la mienne. Et Rouven, il peut venir aboyer jusqu'à demain, ça ne servira à rien. Parce que, il faut prouver que ça a été acquis. D'accord? Ça, c'est en général. Maintenant, ce qui se passe, on n'est pas dans le cas où vous ne pouvez pas partir voir Rouven. Vous avez autre chose. Vous me dites, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu me racontes? Que le terrain il a vendu. Quand Rouven l'a vendu, il fallait faire signer 2 témoins. Un de 2 témoins, c'était moi. Moi, le vendeur, le pseudo-vendeur ou volé,
de Réhouven, je signe sur un acte de vente que Réhouven vous a vendu le terrain. Pourquoi j'ai signé? Quand je signe, je reconnais intrinsèquement que le terrain appartient, que la maison elle appartient à Réhouven et qu'il vous la vend. Sinon, c'est quoi ce témoignage? C'est tout, je suis grillé, j'ai signé que le terrain... Alors ça, c'est l'avis de Chachamim, effectivement. Ils vont dire, Ibed et Zhuto, il a perdu son droit. Si tu vas témoigner que le terrain Réhouven l'a vendu à toi, l'auditeur, eh ben, si j'ai signé sur un papier pareil, ça signifie que le terrain, il appartient à Réhouven et qu'il vous le vend. Sinon, pourquoi je témoigne? C'est d'accord, intrinsèquement, je témoigne en même temps qu'il vous appartient. Admon, lui, il a une remarque sur ça. Il dit non, j'ai quand même la possibilité de prétendre qu'en réalité, j'ai jamais reconnu, pas ma signature n'est pas une reconnaissance qu'en réalité le terrain il appartenait à Réhouven le gros bras. C'est pas vrai du tout. Mais vous savez pourquoi j'ai accepté de signer? Parce qu'en fait, moi, Réhouven, j'avais très peur de lui. J'avais peur que si j'ouvre la bouche, il me casse la figure, ou ça va faire des problèmes de ce que vous voulez. J'attendais en fait qu'il y ait un bon pigeon, vous en l'occurrence. Vous êtes parti lâcher le terrain, et maintenant avec toute votre délicatesse, je vais vous dire gentiment, allez, rends-moi le terrain. Hacheni noachli, rishon noach. Hacheni kachemenu. Le deuxième, il est beaucoup plus noir, il est beaucoup plus henin, il est gentil, il est doux. L'autre, c'est une brute. Il est plus dur que lui, donc c'est pour ça qu'en réalité j'ai signé le terrain. J'avais pas, je voulais pas, j'avais du mal à affronter, me confronter, me battre avec Réhouven. J'attendais qu'il y ait quelqu'un de gentil, de très poli qui vienne, pour que gentiment je le fasse sortir du terrain. Ça c'est la vie d'Admon, la lacha n'est pas terrible quand même. Maintenant, quoi qu'il arrive, Asa siman le acher, si j'ai fait de ce champ un signe pour une autre personne, Ibed et Zruto, d'après tous les avis, j'ai perdu mon droit. De quoi on parle cette fois-ci? On parle qu'en réalité, on est toujours dans l'histoire que Réhouven vous a vendu le terrain. Moi, je suis pas signé sur, j'ai pas signé sur le contrat que vous avez eu entre vous. Mais il y a une autre histoire, un autre terrain mitoyen, de Shimon qui l'a vendu à Lévi. Aucun rapport avec vous deux. Mais pour qui vendre le terrain, hein, Shimon il a écrit à Lévi, bon, au nord, le terrain il est délimité par la barrière qui me sépare du champ de Nonon. À l'est, c'est délimité par la barrière qui nous sépare du terrain de Réhouven. Oh, 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 Réhouven, c'est pas moi. Et moi, hein, je suis parti signer leur terrain, leur shtar là-bas. Pourquoi j'ai signé là-bas cette fois-ci? J'ai signé là-bas, hein, tout simplement. Le fait que j'ai signé, c'est une reconnaissance. C'est un témoignage que, intrinsèque que tout ce qui est écrit est juste. Parce que quand je signe sur un terrain, je dis sur un contrat, je dis tout ce qui est écrit est validé. Je valide tout ce qui est écrit. Je témoigne en ce moment que le terrain, il appartient à Réhouven, puisque j'ai signé que le terrain que Shimon vend à Lévi, il est délimité sur le côté est par le terrain de Réhouven. Donc le terrain à l'est, il est à Réhouven et c'est plus le mien. J'ai reconnu là, explicitement, ou intrinsèquement, je sais pas, implicitement, que le terrain, et j'ai bien vendu le terrain à Réhouven, donc dans ce cas-là, je ne pourrais plus réclamer. Et même Admon, il est d'accord avec cette histoire, parce que cette fois-ci, je ne peux plus prétendre que j'attendais que le terrain se retrouve. Il se retourne dans les mains de queue et quelqu'un de plus docile pour l'affronter. C'est pas vrai du tout. Entre le Shimon et Lévi, j'avais aucune raison de signer là-bas un contrat pareil où ils écrivent des choses qui sont pour moi ça contredit que je suis pas d'accord avec eux. Si j'ai signé, c'est que je suis d'accord. D'accord. C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de la Sakhakotou. C'est là.